une vie de célibataire qui est loin de lui déplaire. Après 12 années de vie commune, Adriana Carambeu a annoncé sa séparation avec Aram Ohanian, en décembre 2022. Notre histoire était belle et je l'ai tellement aimée. Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées. L'amour ne s'éteindra jamais. Avait-elle écrit le cœur serré le temps d'une story Instagram? Une situation amoureuse qui est nouvelle pour la maman de la petite Nina. Et pour cause, la marraine de la Croix-Rouge a toujours été en couple depuis l'âge de ses 15 ans. Lors de son passage dans l'émission Quelle époque le 3 juin dernier, et relayé par nos confrères de Téléstar dans son édition du 12 juin, Adriana Carambeu s'est confiée sur sa nouvelle vie. J'adore ça, a-t-elle avoué à Léa Salamé. Une confidence qui a quelque peu interloqué l'acolyte de Christophe de Chavannes. Vous disiez il y a quelques années, je ne peux pas exister sans un homme à mes côtés. Lui alors rappelé la compagne de Raphaël Glucksmann. Et la réponse de son invité ne s'est pas fait attendre. Normalement, l'homme c'est tout pour moi. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est ma meilleure copine, c'est mon amant, c'est mon conseiller, c'est mon tout. A-t-elle déclaré. Avant de dévoiler sa nouvelle philosophie de vie, mais là, il n'y en a plus et ça marche très bien quand même. Célibataire depuis 6 mois, Adriana Carambeu a eu un véritable déclic. Et j'ai compris que je n'en avais peut-être pas tant besoin que ça, a-t-elle confié. Si elle a longtemps cru que la présence d'un homme était la condition à son bonheur, elle a pu découvrir qu'il en était tout autre. J'aime cette situation dans laquelle je m'occupe de moi-même. Je prends mes propres décisions. A-t-elle assuré. Adriana Carambeu semble plus épanouie que jamais. Supérieure à Adriana Carambeu, découvrez son évolution physique et Adriana Carambeu, plus libre et indépendante depuis son divorce. Cette séparation, Adriana Carambeu la considère comme un nouveau départ. Dans les colonnes d'un numéro de gala, paru le 9 mars dernier, le mannequin de 51 ans a confié vouloir vivre à fond. Prendre des décisions en solo me donne le sentiment d'être puissante et sexy. A confié celle qui partage sa vie entre Monaco et Marrakech. Avant de poursuivre, désormais, je décide de tout par moi-même, j'organise mon déménagement, mes placements dans l'immobilier, je choisis mes contrats, je discute avec mon comptable, mon banquier, je planifie mes déplacements. Dans ce cercle vertueux, Adriana Carambeu ne s'est jamais sentie aussi responsable. Plus tu fais de choses, plus tu apprends à les faire. Point je me donne plus de mal, mais au moins si je dois faire des erreurs, aujourd'hui ce seront les miennes. Et comme ça que j'apprendrai. Un sentiment inestimable, a-t-elle conclu. Crédit photo, Jacovi de Moreau.